Bonsoir à tous bien-aimés. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir, à distance certes, mais réunis au moyen de la technique pour euh, ce moment de partage autour de la parole. Alors bienvenue à chacun et pour commencer, nous vous proposons de louer notre Dieu avec le pa les paroles du 50 de notre recueil Hymnes et louanges. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Nous chantons les trois premières et la dernière strophe. Oui, Seigneur, tu nous permets cette halte au milieu de la semaine afin de pouvoir écouter ta parole, pouvoir nous ressourcer. Nous te disons merci pour ce moment de méditation, de prière que tu nous accordes. Nous te demandons de bénir, de soulager toutes ces âmes qui sont en difficulté dans cette période de Covid-19. Qu'ils sachent que tu veilles sur chacun de, ces, de tes enfants et que ta parole puisse les réconforter. Bénis chaque membre, chaque personne qui écouteront ce message en ce soir. Qu'ils sentent ce repos en toi et qu'ils soient pleinement bénis en ton nom. Nous savons que tu es un Dieu qui aime tous ses enfants et que nous n'avons rien à craindre. Bénis chacun d'entre nous et que ton Saint-Esprit soit avec ce programme en ce soir. T'avons prié ton fils et pour ta gloire. Amen. Je vous salue fraternellement au nom de Jésus. Amen. Je souhaite de tout cœur que chaque personne qui m'écoutera ce soir soit d'ores et déjà la bienvenue et fortifiée par la parole de notre Dieu. Amen. Pour l'anecdote, il y a de cela quatre ans, nous étions, ma famille et moi, en visite à l'église du Pérou. Alors, pas le Pérou de l'Amérique latine, mais le Pérou, l'église du Pérou, à Sainte-Marie, juste à côté. Une de mes filles devait avoir un peu moins d'un an. Et bien sûr, entre la faim, la fatigue ou autre, elle se met à pleurer. Alors, pour ne pas, entre guillemets, déranger l'assemblée, je me lève avec elle dans les bras. Et nous nous dirigeons vers l'entrée principale et nous restons là à la porte, là où il fait un peu plus frais, pour bien sûr essayer de la calmer. Prêtant une oreille attentive à ce que le frère s'apprête à dire, ce directeur de l'école du sabbat nous présente son message et il a fait quelque chose qui m'a beaucoup surpris et jusqu'à maintenant m'interpelle. Nous avions ici à l'église l'habitude de nous saluer, accompagnés du chant ⁇ Comment ça va Ça va bien ?⁇ Comment ça va Ça va bien ?⁇ Au nom de Jésus, ça va bien Vous vous rappelez Mais ce jour-là, à l'église du Pérou, le frère a exhorté chaque membre à se tenir debout, jusque-là rien d'extraordinaire, mais il a surtout exhorté chacun des membres à dire ce que Jésus avait fait pour lui. Et je me rappelle de ce jeune frère qui se dirige vers moi, un peu hésitant très certainement parce qu'il ne me connaissait pas, et finalement me dresse le tableau de comment Jésus l'avait sauvé. Alors quand il eut fini, à mon tour de rendre témoignage de ce que Jésus avait fait pour moi. L'épouse qu'il a mise à mes côtés, la naissance de ma petite fille qui n'était pas de tout repos. Mais l'Éternel veille, n'est-ce pas? Et il prend soin de ses enfants. Amen. Le thème de notre réflexion de ce soir porte donc sur le témoignage. Ou quand l'Éternel te fait justice, peux-tu rester muet Je vous invite à prier avec moi avant de considérer la parole de Dieu. Prions ensemble. Éternel, notre bon Père céleste et notre Dieu, nous te remercions de ce que tu nous permettes de faire une pause en cette, en cette moitié de semaine afin que nous puissions être régénérés par ta parole. Nous invoquons, Seigneur Jésus, ton Esprit à notre endroit et que nous soyons élargis dans notre entendement afin que nous puissions comprendre et mettre en pratique ce que tu désires pour nous. Papa, qu'il en soit fait selon ta volonté. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans le livre de Marc, au chapitre 5, nous lirons les versets 18 à 20. Je m'en vais vous faire cette lecture dans la version Parole vivante. Il est écrit ceci. Matthieu 5, verset 18 à 20. Au moment où il remonte dans la banque, l'homme qui a été délivré des démons lui demande s'il peut rester avec lui. Mais Jésus ne le lui permet pas. Il lui dit, va. Rentre chez toi, auprès des tiens. Et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Alors cet homme s'en va et se met à annoncer dans la région des dix villes, à l'est du Jourdain ce que Jésus a fait pour lui et pour et tous ceux qui l'écoutent sont remplis d'admiration. Que dit le texte que nous avons lu Le texte relate des faits. Ici, il est question d'un homme délivré de démons qui demande à Jésus de, s'il peut le suivre, s'il peut rester avec lui. Il demande à Jésus de lui permettre de le suivre. Ce dernier ne répond pas favorablement à sa demande. Au contraire, il le renvoie chez lui, dans sa famille, pour qu'il puisse raconter ce que le Seigneur a fait pour lui, mais surtout de quelle manière le Seigneur lui a fait miséricorde. Autrement dit, comment Dieu a eu compassion de sa misère. Faisons une courte pause ici. Jésus, qui est le Messie, lorsqu'il parle du Seigneur, il est en train de dire à cet homme qu'il est Dieu. Mais surtout, il lui dit que maintenant, tu appartiens à Dieu et que Dieu a le pouvoir sur ta vie. Satan n'a plus de pouvoir sur ta vie. Amen. Et que va faire cet homme après cette déclaration Nous lisons au verset 20, alors cet homme s'en va. Il se met à annoncer dans la région de villes, à l'est du Jourdain, ce que Jésus a fait pour lui. Avant de poursuivre notre réflexion sur ce témoignage, j'aimerais que nous puissions revenir sur comment cet homme en est arrivé là. Lisons, de le verset premier, son histoire. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa. Au moment même où Jésus débarquait, un homme qui était sous l'emprise d'un mauvais esprit sortit du cimetière et vint à sa rencontre. Cet homme habitait dans les tombeaux. Personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Plusieurs fois, on l'avait enchaîné. Et on lui avait mis des fers aux pieds. Mais il cassait les chaînes et mettait les fers en pièces. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant et en se jetant contre les rochers. Au verset 6, dès qu'il voit Jésus, il accourt de loin, se jette à terre devant lui et lui crie de toutes ses forces. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en supplie au nom de Dieu. Laisse-moi tranquille. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, Esprit mauvais, sors de cet homme. Puis il demande au démon, quel est ton nom Je m'appelle Légion, lui répondit-il. Car nous sommes toute une armée, et ils demandent instamment à Jésus de ne pas les expulser du pays. Près d'eux, un grand troupeau de porcs est en train de paître sur la montagne. Les esprits mauvais supplient Jésus. Envoie-nous dans ces cochons, laisse-nous entrer en eux. Il y consent. Ils sortent donc de cet homme pour entrer dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui compte environ 2000 bêtes, s'élance impétueusement du haut de la falaise pour se précipiter dans le lac et s'y noyer. Les gardiens s'enfuient et vont raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens viennent pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Arrivés auprès de Jésus, ils aperçoivent l'homme qui avait été tourmenté par cette légion de démons. Il était assis là correctement habillé et tout à fait normal. Alors, ils sont saisis d'un sentiment d'effroi. Verset 16, les témoins de l'événement leur racontent en détail ce qui est arrivé à cet homme et au port. Et les gens se mettent à supplier Jésus de quitter leur contrée. Au moment où ils remontent dans la barque, l'homme qui a été délivré des démons lui demande s'il peut rester avec lui. Mais Jésus ne lui permet pas. Il lui dit, « Va, rentre chez toi, auprès de tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Alors cet homme s'en va et se met à annoncer dans la région des dix villes, à l'est du Jourdain, ce que Jésus a fait pour lui. Et tous ceux qui l'écoutent sont remplis d'admiration. Amen. On appelait cet homme le démoniaque, à juste titre, puisqu'il était assailli par une légion de démons, une armée tout entière. À l'époque de l'Empire romain, les légions comptaient de 4200, voire 5000 soldats, accompagnés de 300 cavaliers. Ça fait du monde. Mais bonne nouvelle, il a rencontré Jésus, il a rencontré son sauveur qu'il a restauré. Alors, peut-être, vous qui m'écoutez en ce soir, vous passez par des tribulations, des difficultés en tout genre. Sachez que Jésus a le pouvoir d'opérer toutes sortes de guérisons. Bien sûr, si telle est la volonté du Père. Puis, il y a une condition essentielle aller à sa rencontre. Le démoniaque, il a aperçu Jésus de loin, et il a accouru de loin et se prosterné devant lui. Au verset 14, et en parlant de témoignage, le témoignage de cet homme possédé commence ici. Au verset 14, il est écrit que les gens viennent pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Arrivés auprès de Jésus, ils aperçoivent l'homme qui avait été tourmenté par cette légion de démons. Il était assis là, correctement habillé et tout à fait normal. Mes amis, avant sa rencontre avec Jésus, cet homme, nous pouvons l'imaginer, était agité, se heurtant même contre les rochers. Cela ne devait être... Pas beau à voir. Mais quelque chose de différent attire l'attention. Après l'intervention de Jésus, nous découvrons un autre homme, n'est-ce pas? Vous vous trompez. C'est le même homme. Son attitude seulement a changé. Son comportement a changé. Mais c'est la même personne. L'homme est assis. Il est assis là. On peut s'imaginer qu'il est en paix maintenant. Deuxièmement, l'homme est correctement habillé. Nous pouvons imaginer que Jésus, dans sa restauration, l'a revêtu de nouvel habits. Troisièmement, l'homme est tout à fait normal. Et dans la version Louis II, il est écrit dans son bon sens en d'autres termes, jésus a restauré cet homme dans toute son intégrité et je dis amen à cela. peut-être que vous avez été victime d'une injustice ou peut-être que vous, vous l'êtes actuellement soit au sein de votre famille soit au sein de votre travail, peu importe l'endroit où vous avez vécu cette injustice. Je vous apporte une bonne nouvelle. Nous le pouvons lire dans Lamentation 3, verset 59, et c'est Jérémie qui parle. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. L'Éternel voit nos souffrances. Il connaît chacune de nos difficultés. Et Jérémie continue, rends-moi justice. Oui, mes amis, le Seigneur fait justice et il défend les droits de tous les, de tous les opprimés. Ce n'est pas moi qui le, le dis, il est écrit au psaume 103, verset 106, et je l'ai lu dans la version parole vivante. L'Éternel accomplit des actes justes, de justice, des actes qui sauvent. Il accomplit également des œuvres du salut, et c'est lui... Qui accomplit les jugements. Il prend la défense de ceux à qui l'on fait du tort. Il rend des jugements en faveur des calomniers, des exploités. L'Éternel rétablit leurs droits. Amen. Au psaume 50, versets 14 à 15, il est écrit Offre au Seigneur en sacrifice. La louange et l'action de grâce. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Alors tu pourras m'invoquer au jour de la détresse. Je te tirerai du danger et tu me rendras gloire. Dieu te dit Je t'en délivrerai, te sauverai, je t'affranchirai et je te tirerai d'affaire. Après avoir fait cela, tu me glorifieras, tu m'honoreras. Jésus, pour revenir à notre texte, Jésus a vu la misère qui affligeait cet homme, le démoniaque. Il lui a fait justice. Et parce que cet homme a été sauvé, il a reconnu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il a accepté dans son cœur de marcher en nouveauté de vie. Et nous pouvons le lire au verset 20. Il a accepté de rendre témoignage de ce que Christ a fait pour lui. Alors, le sens premier du, du verbe témoigner, c'est d'attester, c'est de donner des preuves tangibles de la réalité, de la vérité ou de la véracité d'une chose. Portée témoignage fait partie donc de notre mission en tant que chrétien. Lorsque Jésus intervient dans ta vie, tu ne peux pas rester la bouche fermée. Parler de témoignage du démoniaque est une chose. Qu'en est-il pour vous? Mon témoignage en ce soir est le suivant. Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, j'ai dû reprendre mes études après à peu près 20 années hors du circuit universitaire afin d'obtenir un diplôme. Et durant ce temps, je devais effectuer des mises en situation professionnelle, c'est-à-dire des stages en milieu scolaire. À l'issue de chaque période de stage, je devais être évalué. L'évaluation était faite sous forme d'appréciation que le tuteur faisait, et à partir de ces appréciations, je recevais une note. À la fin du premier stage, l'évaluation m'a permis d'obtenir la note de 15 sur 20. Je dis gloire à Dieu. En tenant compte pardon, des remarques de mon tuteur, Dieu m'a permis de m'améliorer et j'ai reçu de meilleures appréciations pour mon évaluation. Par conséquent, j'étais censé recevoir une note supérieure à 15, n'est-ce pas? Par la suite, ces évaluations devaient être transmises aux responsables des stages de mon institut en passant par le secrétariat. Ce que j'ai donc fait bien avant la date limite du dépôt des documents. Ensuite, le responsable de stage, il a fait la demande à l'ensemble de la promo de lui faire parvenir ces documents par voie numérique. Et l'ayant déjà fait par voie physique, disons, cela ne m'a pas interpellé, je n'ai pas relevé. Lors des résultats, je me suis rendu compte que j'avais obtenu la plus belle note qui soit. Une jolie bulle sur 20, 0 sur 20, mes amis. De 15, je suis passé à 0 pour un stage qui s'est mieux déroulé. Surpris par ce résultat, j'interpelle l'administration ainsi que le responsable des stages. Quant à ma situation, et ce dernier qui m'informe qui que le document, n'ayant pas été transmis comme il le désirait, m'octroie la note de zéro avec aucun recours possible, m'obligeant ainsi à passer au rattrapage et donc mettant en jeu l'obtention de mon diplôme. Après avoir discuté avec mon épouse de cette situation, nous nous sommes mis en prière. Nous avons imploré notre Dieu afin qu'il qu puisse, qu puisse pardon, toucher le cœur de cet enseignant, afin qu'il puisse reconsidérer euh, sa décision. Même ma belle-mère s'est mise en prière afin de pouvoir nous soutenir. Après ce temps de méditation, ce temps de prière, quelques jours après, je décide de lui envoyer un mail à titre personnel lui décrivant l'enjeu et tout l'investissement euh, investi durant ces deux ans. Rien n'y fait, rien ne change. Il campe sur sa position. Je me résous donc à passer un rattrapage. Le jour de l'épreuve... Je suis envahi par un stress que je n'ai jamais connu, connaissant l'importance de cet examen. Toutefois, je reste confiant en notre Dieu. Alors les heures défilent, et puis à 21h, l'examen s'est passé le matin, il est passé vers 10h à peu près, et aux alentours de 21h, les résultats sont donnés. En consultant ces derniers, mes amis, Dieu m'a justifié en me donnant la note de 19,33 sur 20. Oui, et je dis Amen. Je ne peux que glorifier notre Dieu de ce qu'il veille et qu'il prenne soin de ses enfants. Dieu, je le rappelle, est un juste juge. Dieu m'a doublement béni et justifié en me permettant d'avoir d'une part un 19,33 au lieu d'un zéro, mais il m'a permis également d'obtenir un diplôme et je l'en remercie, je l'en glorifie, un diplôme avec mention bien. Au psaume 34, verset 20, il est écrit que le malheur atteint souvent les justes et que l'Éternel l'en délivre toujours. Mes chers amis, cette personne avait la possibilité de reconsidérer ses choix. Pourtant, elle ne l'a pas fait. Mais le Dieu que nous servons, servons, il ne dort pas. Nous servons, mes amis, un Dieu qui est vivant. Mais ce qui importe le plus, ce n'est pas la note obtenue à cet examen, mais c'est la manière dont l'Éternel m'a sorti de cette situation. Je veux croire aujourd'hui que ce responsable des stages a été interpellé. Je prie pour que Dieu change son cœur, car nous le savons, le cœur de l'homme est mauvais. Je m'adresse maintenant... Aux étudiants, vous allez faire face à des difficultés. Je vous exhorte à ne pas abandonner, quoi qu'il advienne. Ne baissez jamais les bras. Faites confiance en toutes circonstances, qu'elles soient bonnes, favorables ou non, à notre Dieu. Je le répète, il est vivant. Surtout, restez fidèles, confiez-vous en ses promesses. L'exemple du démoniaque, sa transformation, son témoignage, eh bien, il ne l'a pas gardé pour lui-même, mais il a permis à d'autres d'être interpellés par ce changement. La délivrance que Jésus peut opérer. Nous l'avons lu au verset 14. Les gens, en voyant cet homme, ils étaient remplis d'effroi. Je vous laisse imaginer la suite, la scène. Quand nous laissons Dieu agir dans nos vies, quand nous laissons Dieu agir dans nos vies, la manière dont il opère dépasse notre entendement et il dépasse de loin nos pensées. La servante de l'Éternel dans Conquérant pacifique au chapitre 49 dit ceci. L'apôtre Paul, dans sa dernière lettre à Timothée, la signe au tribunal de Dieu et lui ordonne de ne pas prêcher la parole selon les préceptes et les coutumes des hommes. Il l'enjoint d'être prêt à témoigner pour Dieu quand l'occasion s'en présente devant les grandes assemblées comme devant les petits groupes sur les routes et au coin du feu aux amis et aux ennemis en lieu sûr ou exposés aux tribulations aux périls à l'opprobre aux privations Verset 20, il est écrit Et tous et tous ceux qui l'écoutent sont remplis d'admiration Et tous ceux qui l'écoutent sont remplis d'admiration Quand vous aurez à témoigner vous serez écoutés L'admiration, chers amis, c'est ce sentiment, ce sentiment complexe d'étonnement. D'ailleurs, dans la version Louis II, il est parlé d'étonnement, le plus souvent mêlé de plaisir exalté et d'approbation devant ce qui est estimé supérieurement beau, bon ou grand, lorsque tu dois rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour toi. Ne sois pas hésitant. Et ceux qui t'écoutent doivent être remplis d'étonnement. Ils doivent se dire, comment Dieu a fait ça Ou certains pourront même être interpellés et se dire, il y a réellement un Dieu dans les cieux. Pour conclure, nous sommes appelés à rendre témoignage, à rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour nous. Souvent, je me rappelle ce verset qui, qui dit, souviens-toi d'où tu es tombé, afin de toujours avoir cette attitude humble devant autrui, mais surtout devant notre Dieu. Et même si on te traite de rabat-joie, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle dans les grandes choses, mais encore plus dans les plus petites. Et ça commence, et ça commence chez toi, dans ton foyer, dans ton quartier, dans ta manière de t'adresser aux autres, dans ton attitude, à l'école. Ou même au travail. N'oublie pas que nous rendons témoignage aux hommes, mais devant notre Dieu. Mes amis, que la grâce de notre Seigneur vous accompagne et je vous exhorte, je vous invite à vous enrôler avec force, courage et puissance dans la mission à laquelle nous sommes invités à participer. Soyez bénis à votre endroit. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Amen. Nous chantons maintenant les paroles du 23. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Seigneur, attends. Nous remercions d'avoir suivi le message en ce soir et nous remercions Kelly pour ce magnifique message. Que le Seigneur continue à nous bénir et bonne soirée à tous.